ouvert en janvier 2019, le Medipôle Hôpital Mutualiste, 490 lits et places, accueille plus de 50 spécialités médicales différentes, 1000 professionnels, 800 soignants, dont 160 médecins, prennent en charge 35 000 hospitalisations, 65 000 passages aux urgences et 1 900 naissances par an. L'engagement du Medipôle Hôpital Mutualiste dans la démarche TMS Pro trouve son origine en raison d'un nombre élevé d'accidents du travail liés à la manutention et puis par un souci de l'établissement de pouvoir proposer à ses salariés des actions de prévention. Pour notre organisation interne, nous avons mis en place un copilotage du projet par la direction des soins et la direction juridique. Nous avons désigné et composé une team TMS composée de 3 rééducateurs. Un comité de pilotage se réunit à échéance régulière et nous avons des réunions de travail en lien étroit avec la CARSAT en vue de la validation des différentes étapes de la démarche. En tant que personne ressource du groupe TMS Pro, nous avons été formés à être des interlocuteurs privilégiés pour observer les situations de travail et sensibiliser aux facteurs de risque sans jugement et avec bienveillance. Nous allons impliquer les personnels car ce sont les acteurs principaux de la démarche. C'est eux qui vont pouvoir nous apporter les solutions et ils vont être aussi nos relais sur le terrain. Le but final de ce programme va être de prendre en compte les TMS dans leur entière complexité en apportant des réponses qui vont être matérielles, mais aussi humaine et organisationnelle. Cela va permettre de perpétuer une culture de la prévention des TMS au sein de l'établissement. Nous avons poursuivi la démarche de prévention des TMS en lien avec la CARSAT, avec deux référents qui assurent les formations de nos professionnels et le suivi des actions menées. Nous allons former un troisième référent afin de poursuivre nos analyses de situation, notre suivi des formations et sensibilisation de nos agents. Nous poursuivrons également les achats de matériel et équipements complémentaires afin de permettre à nos professionnels d'exercer en sécurité et de limiter le nombre d'accidents du travail et maladies professionnelles. Ce seront les indicateurs que nous suivrons par la suite.